Nous sommes présentement à Simon Amdallah pour la construction d'une école, laquelle était effort par Zane Ali. Et merci Nouvelle Optique, merci ONG Al-Barakat. Salam. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 24 mois de novembre 2024. Alhamdulillah, donc nous sommes très heureux et contents. Demande Allah subhanahu wa ta'ala à vous récompenser beaucoup de paix et succès. Comme vous le connaissez, nous sommes dans l'inauguration. C'est une école qui compte par les réalisations des nouvelles optiques, par aussi leur collaboration de l'ONG de Al-Barakat, alhamdulillah. Voilà, les élèves sont commencés à rentrer dans les classes, alhamdulillah. C'est génial qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous porte ça. Donc, oui, les filles, premier, maintenant c'est les garçons qui sont derrière des filles, alhamdulillah. Inch'Allah, nouvelle optique. Jazakallah, nouvelle optique. Jazakallah, khayran, nouvelle optique. Wal mudarris mawjoud. Un qarib, inch'Allah, sayulqi darsan. الموضوع العقيدة الموضوع الإيمان بالله ما شاء الله نعم ما شاء الله جزاكم الله فيك. Nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier l'Ibn Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'imam qui était là tout de suite. Je parle de sa langue. Alhamdulillah, il a remercié tout le monde. Depuis les partenaires, l'association Nouvelle Optique et ses accompagnants, l'ONG de Al-Barakat, ainsi que l'équipe qui se trouve toujours à côté, voilà, sur le terrain. Donc, l'on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala à récompenser tout le monde. Par occasion aussi, elle a remercié le Oustaz qui est là, l'imam, voilà, le fils de l'imam. Il est là, mais il a fait toutes les tolérances pour les villageois, pour l'islam aussi, l'appel. C'est un grand prédicateur. On l'a demandé pour l'amener ailleurs, mais son père, il a refusé. C'est parce que s'il est quitté ici, qui va venir de lui remplacer comme remplaçant? C'est pourquoi depuis lors il est là, il enseigne gratuitement. Sauf l'intention ou bien l'objectif pour que les gens connaissent leur religion, l'islam din. Dans ces cas-là, il a refusé d'aller ailleurs depuis le temps de son père. Le grand frère qui est là comme le chef du village, encore lui, il a lui accompagné de ça. Ils sont étalés leurs mains de vous demander d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. L'insécurité, ils l'ont laissé pour laisser les enfants aller ailleurs, c'est très difficile pour eux. Parce que quand ils sont partis, pour retour aussi, c'est un problème. Le monde ne sait pas en sécurité, surtout là où il n'y a pas de bonne route. Vraiment, c'est l'obscurité toujours. Le village, c'est pas aussi que l'électricité, comment dire, c'est les solaires, etc. C'est pourquoi, bon, si ils n'ont pas de l'argent, c'est pour construire petite école, mais nouvelle optique à intervenir, de les construire, les belles classes
qui ne trouvent même pas dans notre capitale à Dakar. Donc ils vont vous remercier encore une fois. Donc merci l'association de Nouvelle Optique. C'est ça que le imam a dit. Aussi, fait la prière pour tout le monde, commençant par les partenaires et les imams qui sont là. Alhamdulillah, les mamans aussi, alhamdulillah, qui sont là.